se calme de la République. C'est pas le public, c'est le cirque. Assister à un conseil municipal est un droit. Et foutre la merde, c'est pas un droit. Allez, je propose de commencer. La semaine était longue, et ce sera un petit conseil. Plus de la situation et du noir qui sont observés aujourd'hui. Je tiens simplement à accueillir, si d'ailleurs l'émission ne voit pas de. Voilà, si vous ne voyez pas la réglementation qui impose de voter en 15 avril, sachant que même que la fusion des taux CAFA n'autorise pas donc, à on a une obligation cette année exceptionnellement, puisqu'on est en tête. La procédure de voter deux fois, vous allez voir qu'on a également un certain nombre de choses qu'il faut mettre d'équerre tout simplement dans le cadre de la fusion des taux de CERFA. Oui, sauf pour le CERFA. Il y a des bases communicantes qui font que prélever, reverser par telle ou telle entité. Il y a un triangle qui et l'argent tourne, c'est un peu compliqué. On les fait revoter aujourd'hui. Ce n'est pas normal, voilà ce que je vais faire. J'ai un dernier point, si vous me permettez de le faire. C'est sur la question, on va le voir dans les mois suivants, donc je ne reposerai pas les questions ensuite. C'est sur la question de l'eau et de l'assainissement et des excédents. Ces deux comptes, eau et assainissement, il y a deux choses qu'on vient de faire. On est obligé de le faire provisoirement comme ça, et ensuite de réintégrer. Tout ça, c'est de la gymnastique. On est obligé de passer par là. Aussi, ils vont intégrer le diabète, la ville provisoirement, et vont être reversés ensuite, soit à la métropole, soit à l'EPT. C'est ce que j'ai du mal des fois à percevoir. C'est la question que je sens. Là, Aulnay ne veut pas tout reverser, et est fondé à venir que non. Et Aulnay pense que non. Je pense que chacun doit assumer ses déficits. Donc, si la CLECT ne s'est pas encore convenablement réunie, il y a une raison, c'est qu'il y a une bataille de chiffres. Pour savoir qui paye quoi, et évidemment, moi je serais.